Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur le film coréen Emergency Declaration, un film réalisé par Han Jae-rim. J'espère que je le prononce correctement. Le film raconte l'histoire d'un enquêteur que sa femme est en voyage pour partir de la Corée jusqu'à Hawaï. Et il découvre qu'il y a une menace terroriste qui est devenue virale en ligne. Tu suis ce qui se passe sur le sol en Corée, mais tu suis en même temps en simultané ce qui se passe dans l'avion avec le suspect de cette attaque terroriste-là, et tu vas voir un peu comment tout ça va chambouler, non seulement les gens de la Corée qui sont sur Terre, et aussi ceux qui sont dans l'avion. Je savais pas vraiment tout à quoi m'attendre, mais j'ai été très 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 surpris d'une façon très positive. C'est un film qui, je trouve, regorge d'action, de suspense, de moments riches en émotions. C'est très bien filmé, très bien joué. L'affaire, c'est que le film est en coréen et il y a aussi un doublage en anglais. Il n'y a pas de doublage français, rien. J'ai écouté le film en version en anglais. J'ai trouvé que le doublage avait bien du sens. Pour ce qui est des acteurs et actrices, l'émotion sur leur visage, malgré le fait que c'est du doublage, tu ressens l'anxiété et la peur que ces gens-là vivent dans une telle situation qui est vraiment horrible. Pour les 141 minutes que le film dure, j'étais scotché là, sur le divan, les yeux rivés sur la TV, et j'étais vraiment bouche bée. Pour ceux qui aiment soit prendre l'avion ou les films catastrophes, je vous le conseille fortement, surtout si vous comprenez bien l'anglais. Quelques petites longueurs par-ci par-là, mais au final, le dénouement total du film s'emboîte très très bien. Je trouve des fois qu'il y a certains films qui, quand il se passe que tu suis deux histoires en simultané, des fois ça s'éparpille un peu, mais là j'ai trouvé que c'était très bien dosé. Tu sais, les parties enquête avec les gens, les policiers qui veulent essayer de faire atterrir l'avion pour secourir les passagers, mais aussi ce qui se passe du côté de l'avion. Tout ça qui était vraiment très très bien dosé. C'est ça qui est l'important, parce que sinon tu te perds en cours de route, et le film a fait une très belle job à ce niveau-là. Par la suite, j'ai été voir sur Wikipédia pour me renseigner. Le film, apparemment, lors de sa sortie, avait aux alentours de 52% d'avis positifs, et je ne comprends pas les avis mitigés, alors que personnellement, j'ai trippé. J'ai passé une très 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 bonne soirée hier à aller écouter ce film-là. Pour moi, le film est une réussite par rapport aux émotions que tu ressens pendant le visionnage. Tu ressens vraiment le stress. Toutes ces affaires-là, j'ai trouvé que c'était numéro un à ce niveau-là. Sincèrement, quand j'ai vu ça, que le film durait 141 minutes, j'étais surpris. Certains moments, comme je disais, m'ont fait trouver le film un peu long. Mais une fois que le film est fini, après ça, tu te dis, finalement, c'était justifié la longueur, parce que tu veux voir le dénouement, tu veux voir comment tout ça va se passer. S'il avait coupé des bouts, oui, ça aurait, le temps aurait passé un peu plus vite, mais t'aurais manqué, je pense, des aspects un peu importants du film qui auraient enlevé de la cohérence dans l'ensemble. Pour donner une note sur 10 à ce film, je lui donne un solide 8.5. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique du film Emergency Declaration. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. Sur ce, c'était Michael, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.